Décret D2022-0561, PRG-CNRDS-GG portant nomination de haut cadre au secrétariat général des affaires religieuses. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms non suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Conseiller principal, Dr Mamadou Lamine Diallo, précédemment directeur général du Fonds national de la Zakat et du WACF. 2. Conseiller juridique, M. Ibrahima Bambassid Camara, précédemment directeur général du Bureau de stratégie et de développement. 3. Conseiller chargé des affaires islamiques, M. Mohamed Jafar Soare, précédemment chef division à la direction du réseau des ONG et associations religieuses. 4. Conseillère chargée des affaires chrétiennes, Mme Agnès Delamou, confirmée. 5. Conseiller chargé de mission, M. Bangali Keta, précédemment directeur national des pèlerinages. 6. Inspecteur général, M. Souleymane Conté, précédemment directeur national des affaires islamiques. 7. Inspecteur général adjoint, M. Ismail Camara, précédemment à la direction nationale des pèlerinages. 8. Directrice nationale des affaires chrétiennes, Mme Hélène Bourré, confirmée. 9. Directeur national adjoint des affaires chrétiennes, M. Nyama Emmanuel Kourouma, confirmé. 10. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, M. Adama Sidibé, précédemment en service au Bureau de stratégie et de développement BSD. 11. Directrice générale adjointe du Bureau de stratégie et de développement, Mme Touré née Mariam Mara, précédemment directrice adjointe du Service national des affaires socio-économiques et culturelles. 12. Directeur national des affaires islamiques, Dr Souleymane Sidibé, précédemment directeur national adjoint des affaires islamiques. 13. Directeur national adjoint des affaires islamiques, M. Mohamed Bachir Djabi, précédemment en service au secrétariat général des affaires religieuses. 14. Directeur national des pèlerinages, M. Aloussène Fadiga, précédemment chef de la division enregistrement et statistique à la direction nationale des pèlerinages. 15. Directeur national adjoint des pèlerinages, Dr Ali Cissé, précédemment en service à la DRH. 16. Directeur national des infrastructures religieuses, M. Mohamed Lamine Ibrahima Camara, précédemment en service au secrétariat général des affaires religieuses. 17. Directeur national adjoint des infrastructures religieuses, M. Abdoulaye Nabé, précédemment au service genre et équité. 18. Directeur général du Fonds national de la Zakat et du WACF, M. Abdoulkarim Diallo, précédemment directeur national des lieux de culte. 19. Directeur général adjoint du Fonds national de la Zakat et du WACF, M. Mohamed Fodé Silla, précédemment directeur adjoint des ONG et associations religieuses. 20. Directeur du Service national des affaires religieuses et culturelles, M. Mohamed Kaba, précédemment service à la direction du réseau des ONG et associations religieuses. 21. Directeur adjoint du Service national des affaires socio-économiques et culturelles, M. Mamadou Boboba, précédemment directeur adjoint du Centre islamique de Donka. 22. Directeur des ONG et associations religieuses, M. Nourdine Fadiga, précédemment directeur du Service national des affaires socio-économiques et culturelles. 23. Directeur adjoint des ONG et associations religieuses, M. Bangali Sangaré, précédemment en service à la direction générale du Fonds national de la Zakat et du WACF. 24. Directeur du Centre islamique de Donka, M. Lamine Sano, précédemment directeur général adjoint du Fonds national de la Zakat et du WACF. 25. Directeur adjoint du Centre islamique de Donka, M. Aboubakar Sidiki Nabé, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry le 2 décembre 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya.